Shalom peuple de Dieu, salutations à vous chers abonnés de Congo Dialogue. Nous sommes dans le cadre de la religion. Comme vous voyez dans les images, je suis très ravi de savoir que vous êtes très nombreux. Merci de choisir pour Congo Dialogue. Moi, c'est Josué Bolo à l'international, toujours ravi de vous servir. Comme j'ai dit tantôt, nous sommes dans le cadre de la religion et une bonne nouvelle, comme dans l'actualité, que vous savez, c'est presque 2-3 jours passés que nous aimerions vous communiquer, vous partager, célébrer ensemble aussi le mariage religieux de notre sœur, une petite sœur, Tantine, n'est-ce pas, aussi bien sûr petite pour ceux qui sont plus âgés qu'elle, et aussi grande sœur pour ceux qui sont moins âgés qu'elle, à la personne de Rosny Kayiba. Voilà, nous sommes dans la joie de savoir que le mariage, nous le célébrons, qu'il soit honoré de tous. Étant donné que le mariage est honoré de tous, nous sommes ravis de vous présenter cet élément, cette petite vidéo pour partager la joie avec notre sœur Rosny Kayiba, notre sœur congolaise compatriote Rosny Kayiba, Mwanamboka Oyo Tozali Kosepela Elongonaye, Autiko officialiser relation naye et puis Libosué Nzambe, Libosué Abato, puis Libosué Aba famille, Autiko Sala mariage religieux. La sœur Rosny, une figure qui aujourd'hui bénit le corps du Christ, l'église de Dieu, surtout les chrétiens, comme vous savez, notre RDC, les a pays laïques, tous célébrés ensemble, naïe. Alors, qui est la sœur Rosny Kayiba? Oh, tu es bien, tu es bien, moninga, l'ami, mon meilleur ami. Bamsou, babou, babou, commenté, bisoraye, mante, ba, mon meilleur ami. Yewana, qui est Rosny Kayiba? Rosny Kayiba est chantre de l'éternel, auteur, compositeur, originaire de la République démocratique du Congo et résident actuellement aux Pays-Bas. Mais bien sûr, aujourd'hui, elle vit à Kinshasa pendant un certain temps. Née le 24 février, cette jeune dame est talentueuse, a commencé à servir depuis l'âge de 5 ans, quand elle était encore ici à Kinshasa, dans la chorale Elikia à Fepako Nzambe Malamu Lemba Sion. À 8 ans, elle prend conscience du talent et aussi de la grâce que le Seigneur avait mise en elle. Sa connexion avec le Saint-Esprit lui a permis de mieux s'exprimer à travers la chanson. En 2011, elle part s'installer aux Pays-Bas pour suivre ses études de gestion financière d'entreprise. Mais elle s'identifie également comme une évangéliste parce qu'elle sert le Seigneur loin de son pays d'origine. Elle est membre actif, choriste à l'Assemblée des dieux évangélique dirigée par le pasteur Pierre-Roger Ngwambo, que nous saluons. En 2016, elle sort son premier single, Matondo, une version à Lingala de la chanson de Imela, de Nathani Bassey et Enita Adaba. Cette chanson lui a permis de se faire connaître dans le monde de la musique. Sa vie s'est définie à une seule phrase, l'amour de Jésus, comme nous pouvons l'écouter dans sa nouvelle chanson « Mon meilleur ami ». Sortie depuis peu, elle parle de son amour pour Jésus, pour tous ces temps où elle était dans la détresse et qu'il avait le meilleur soutien qu'elle pouvait espérer. Rosny Kayiba nous réserve encore plus d'autres surprises. Une belle carrière très prometteuse est en vue. Avec l'aide du Saint-Esprit, nous verrons son ascension dans les mondes de la musique. En attendant son album, nous vous conseillons de suivre en boucle la chanson « Mon meilleur ami ». Ces paroles fortes nous poussent à adorer Jésus et à réaliser que le sel qui ne nous quittera jamais, peu importe ce qui peut nous arriver dans notre vie. La sœur Rosny Kayiba, une bénédiction. Aujourd'hui, la sœur Rosny est aussi comptée parmi les membres des jurys dans ce projet qui bénit le corps de Christ et la RDC, Madjabou Talent. Elle est parmi les membres du jury, accompagnée de la sœur Sandra Mbouyi, le frère et pasteur Mike Kalambayi, bien sûr à tant d'autres coachs, la sœur aussi Deborah Lukalu, l'ambassadrice. Tous ensemble font partie des membres du jury de ce grand projet Madjabou Talent qui cherche à promouvoir les talents des musiciens de carrière musicale et ceux qui ont la grâce pour proclamer la bonne nouvelle de Jésus-Christ au travers de la musique. Et aujourd'hui, ensemble, le corps de Christ et la RDC tout en entier célèbrent ce grand mariage de cet artiste musicien qui fait la carrière de gospel, Rosny Kayiba. Et aujourd'hui, finalement, célibat et couille, comme on dit, et dans cette carrière musicale, comme vous savez, chers abonnés de Congo Dialogue, ce n'est pas facile. Être très jolie et puis talentueuse, avoir la grâce de Dieu, et étant célibataire, ce n'est pas du tout facile. Et Rosny Kayiba a décidé de se marier, de s'engager dans ses pistes, dans ce voyage d'amour, en se rencontrant avec notre jeune frère, aussi homme des dieux, le frère Joshua Francis Mouteba, qui aujourd'hui a fait taire tous les silences et a fait rendre réel le rêve de notre sœur Rosny Kayiba, officiellement devant les hommes, devant l'Église et devant la famille. Notre sœur finalement, Nepli Rosny Kayiba, elle est aujourd'hui Rosny Mouteba. Très joyeux, le couple bien sûr, très heureux. Le Seigneur a fait réaliser leurs rêves. Il y a la présence de plusieurs invités qui ont manifesté leur présence pendant cette célébration de notre sœur Rosny Mouteba. Aujourd'hui, Rosny Mouteba. Hier, c'était Rosny Kayiba. Aujourd'hui, c'est Rosny Mouteba. Plein succès à eux. Nous sommes fiers de toi, notre sœur. Que le Seigneur bénisse notre jeune sœur qui est une bénédiction. Tosengi Kaka, encadrement malam. À notre frère Joshua Francis Mouteba. Au bas de la sœur, on a biso bien. Aux anae bien. On a posa mata. Libala effréné onctionté. À continuer toujours que ça pamboli pour n'abisso c'est liba ekoi alors nzamba batela bino nzamba sekisa bino nzamba sepelisa bino. Alors nous sommes fiers de vous, notre sœur. Elle est là avec notre sœur aussi, l'ambassadrice Deborah Lukalu. Voilà, chers abonnés de Congo Dialogue, c'était quand même important pour nous de pouvoir vous faire savourer ces beaux moments et ces belles moments. Le mariage religieux de la sœur Rosny, hier Kayiba, aujourd'hui Rosny Mouteba. Officiellement mariée. Liboso à Nzambe, liboso à famille, liboso à Bazouzinyoso. Un frère très gentil, très beau aussi, bien habillé. Alors nous sommes fiers de toi, notre sœur. Que le Seigneur vous bénisse. Il y a eu plusieurs participations de musiciens chrétiens. On a remarqué la présence de plusieurs musiciens chrétiens. Le frère Henri Papa. Le frère Henri Papa. Nous avons aussi vu la présence de notre frère qui a quitté l'Afrique du Sud, Cape Town, pour manifester et réussir à sa présence. Le frère Jude Mbenga. Merci à vous. Ça, c'est le moment des célébrations. Nous sommes fiers de vous, notre sœur. Plein succès à vous. Tosenka qui a voyagé au Bobandi. Vous se supportez mutuellement. Vous se supportez mutuellement. C'est vraiment un privilège, mais c'est aussi une responsabilité de pouvoir se marier. Plein succès à vous. Nous sommes pas en Bolabino. Tosenka bolingo oumela, omoko ezala, support ezala. C'est vrai, vous êtes des hommes publics maintenant, c'est une femme publique. Donc, chaque pas, chaque mouvement, les hommes, le monde vous regarde. Mais je sais que le Seigneur qui a commencé avec vous, il va cheminer avec vous jusqu'à ce qu'il revienne. Succès à vous, la sœur Rossini, le couple Joshua Francis Mouteba, Joshua Francis et Rosni Kaïba. Fier de vous. Ah, Moninga Bali Sepela. Merci. Voilà, abonnez-vous et partagez la vidéo. Faire comprendre à d'autres personnes que Liba les élengi. Tozan et Sengo, Sœur Nabiswa Bali. Sepeli Makasi. Sepeli Makasi. Voilà. Merci à la grande équipe de Congo Dialogue. Merci à la grande dame Francine Guembe de la Belgique, la patronne. Merci à vous. On va se retrouver à un prochain numéro et à une autre actualité. Bye. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com.